Mopé cause un mot non personnel, mais pas en tant que le président du Mauritius Global Diaspora. Mofin tenir à répondre présent à l'appel de Devarajan Kanaksabe, Tamil Council, et camarade Suban Ranganordan, ancien président du District Council de Moka, pour prêter main forte à l'injustice vis-à-vis pas seulement le centre culturel tamoul, mais aussi contre l'IMCA et le Islamic Speaking Union. C'est vraiment révoltant quand nous guette cette façon de faire et il y a plusieurs raisons qui font Paul Béranger, Tidone Salatella dans sa triangle-là parce qu'il est émotionnel, il est aussi historique parce qu'il c'est là qu'il y a beaucoup de Tamoul qui peut rester. Donc il y a une raison, Paul Béranger connaît l'histoire de Maurice bien et c'est une raison valable et importante qui fait Tidone Salatella là. Navin Amboulam, quand tu es Premier ministre, en 2010, tu poses première pierre, tu donnes un plus grand terrain juste à côté. Donc, chapeau à ça des Dimouna, Béranger avec Amboulam. Mais aujourd'hui, nous trouvons un Dimoun qui pas connaît la culture, qui pas comprend la culture, mais par contre, c'est une culture de land grabbing, quand nous trouvons aujourd'hui sa mentalité de prendre terrain, côté na partout pour donner un petit copain. Et ça, c'est injuste. L'y pas faire, c'est le principe de fairness and equity, n'est pas correct du tout. C'est pour ça qu'il m'a payé donner un coup de main pour dire non à sa façon de faire de land grabbing là. Et m'invite tout le monde à venir à cette réunion dimanche le 30 à 14h à Saint-Pierre. Pour plus de vidéos, cliquez sur like, abonnez-vous en cliquant sur subscribe et activez la cloche de notification pour rester informé.